On parle tout bagay. C'est une émission socio-culturelle qui vient pour diffuser sur Canal Bleu, chaîne 38, tous les samedis, 5h de l'après-midi. On parle tout bagay. Reprise lundi 8h du soir et mercredi 9h du soir. Rite branché. Amis téléspectateurs, téléspectatrices Canal Bleu, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans l'émission pour là qui c'est On parle tout bagay. Je tiens à nous gagner avec nous un grand homme qui c'est professeur Daniel Jean, maître Daniel Jean. Mes amis, m'a volé titre. Maître Daniel Jean qui va nous parler nous d'un sujet qui est extrêmement important dans la société nous, qui c'est délinquance juvénile et réinsertion sociale en Haïti. Et nous connaissons toute la misère que Timounio a passé dans le pays, à côté que yo lagué, Timounio jeunesse dépravée, Timounio lagué dans la rue. OK, gen moun ki nan prison tout, nous ka comprendre qui ça va passer dans pénitencier. Plus précisément pénitencier national. C'est peut-être ça nous gen avec nous là maître Daniel Jean qui c'est juriste communicateur. Ex-porte-parole du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, actuel porte-parole de l'unité de lutte contre la corruption. Et puis, Maître Daniel, dès qu'on passe tout dans Meridenma. Tout à l'heure, on a introduit Maître Daniel pour parler nous plus de lui-même, même s'il dit que lui est modeste. Mais je dis à la Bobby, j'ai parlé toute bagaille, non, on parlait toute bagaille. Bonjour Maître Jean, bienvenie dans l'émission On parlait toute bagaille. Merci beaucoup Kamel, moi salut tout auditeur, auditrice. Gros média, ça, dans le cadre de Goku Kenshin, l'émission ça, je dis à pour nous parler toute bagaille, mais surtout pour nous parler bagaille qui est important. Moi c'est pour ce dernier Jean, comme vous venez de le dire, et puis ben, voilà, moi au service de la communauté et moi j'ai une chance de servir la nation à travers l'État haïtien. Et puis voilà, on est parti pour une très belle émission. À nos cas, moi qu'elle va parler de lui. Ah, mais Maître Daniel, on va pas se cacher, mais tout le public là qui est en compte, qu'est-ce qui est Maître Daniel Jean. Ok, c'est comme ça qu'il déjà tellement. Maître Jean, comment au capable de définir pour téléspectateurs qui ça qui délinquance juvénile? Ok, merci beaucoup. Alors, sujet nous, c'est délinquance juvénile et réinsertion sociale. Et faut me dire qu'un intérêt particulier moi pour sujet ça, c'est parce que d'abord sur le plan d'adit conjoncturel, on est au mois de février, mois consacré à Nelson Mandela, le 18, alors on est au mois de juillet, et parce que moi je suis en février, alors là on est en juillet, le 18 juillet 2022, le 18 juillet de chaque année d'ailleurs, c'est la journée internationale de Nelson Mandela pour le droit des détenus. Et puis, si aujourd'hui en Haïti on parle de population carcérale, si aujourd'hui en Haïti on parle de détenus, il est extrêmement important pour nous tenir compte du fait que statistiquement, il y a un fort pourcentage de jeunes dans les prisons. Ok, dernier chiffre montré, et ça c'est à travers le monde, que 70%, plus de 70% des jeunes. Jeunes dans ce sens sociologique, thème là. Ok, maintenant, la délinquance juvénile, l'autre intérêt pour lui, c'est une tâche parce que scientifique en ce sens que on pense que c'est un sujet qui doit d'abord plus traiter dans la société, hein, ensuite qui doit aborder avec un peu de scientificité. Et aujourd'hui, la marque de la société, si la société va mal, il faut aller voir comment nous avons préparé les jeunes qui, je dis, là, vont faire causer dans la société. Hein. Et si nous nous compte de ça, on va alors se rendre compte de la nécessité de regarder cette génération de jeunes actuellement. Qu'est-ce qui peut être fait pour que demain parvienne plus mal? Pour répondre directement à la question, comment peut-on définir la délinquance juvénile? Eh bien, d'abord, faudrait voir la délinquance en elle-même. Sur le plan, par exemple, sociologique, nous parlons de déviance, alors que en criminologie,
j'ai l'impression que c'est le domaine spécifique nous là pour aujourd'hui, hein, c'est qu'un délinquant, c'est quelqu'un qui déroge aux lois. Maintenant, volontairement ou involontairement. Parler alors de délinquance juvénile, au premier niveau, on pourrait considérer que c'est le fait pour des jeunes de violer les lois, mais c'est un peu plus profond que ça. C'est toute une dynamique sociale qui exprime un certain laxisme à l'égard des jeunes et qui nous donne laisser aller tant au niveau parental qu'au niveau de la jeunesse. Et je dis donc qu'il est indissociable de considérer, de ne pas considérer les deux. Si donc on parle de délinquance juvénile, il faut alors voir cette forme de démission qu'il y a au niveau de la société qui s'exprime à travers les parents. C'est-à-dire donc que à travers le monde, il y a des dispositions qui sont prises pour que les parents, qui eux-mêmes, c'est les gens qui sont plus proches de les gens dans la société, qu'ils assurent que les gens, dans le sens exactement Emmanuel Kant, maintenant, ils ont commencé à prendre bien bonheur à soumettre aux règles. Maintenant, si la société ne fait pas pression sur les parents et que les parents ne font pas pression sur les jeunes, vous avez donc la délinquance juvénile. Donc, c'est tout c'est à la fois un phénomène, mais également un épiphénomène, en ce sens que la délinquance juvénile, c'est-à-dire le dérèglement des jeunes, le manque total, l'absence même de soumission aux règles et l'absence de valeur qu'il y a au niveau de la jeunesse, valeur constructive, c'est donc un épiphénomène, en conséquence de on irresponsabilité de société à l'égard des parents et donc des parents à l'égard des enfants. Voilà. Oh, mais maître Jean, prenons le cas d'Haïti que nous dit que on va parler tout à l'heure là non et qui avance sur ce fait, on va expliquer qui ça que donner quand même. On dit que c'est en pression ce qui vous fait sous société à de société à les mêmes pour faire sous parents et puis pour parents même faire sous jeunes. Wow, c'est toute une chaîne. Yeah. Et dans le cas d'Haïti que nous avons une société qui débravée, comment comprendre que société à balka arrive à faire pression sous parents et puis pour parents eux même faire pression sous timonio alors que nous c'est tout à fait le contraire, c'est timon ça qui a dirigé parents. Ça dépasse un phénomène social, moi je viens tout nous faire social moi même. Oui, c'est exactement un fait social. Parce que là, un phénomène social a pour caractéristique de base le fait que c'est quelque chose qui... C'est un fait social qui ne dure pas. Mm-hmm. C'est ça, un phénomène social. C'est-à-dire que le fait social, ça dure, ça s'établit. Et puis, il est important aussi que l'élite intellectuelle théorise sur ce fait-là. Mm-hmm. Pour pouvoir être considéré comme tel, faut l'université a dit ça, le penser de faire ça. Mm-hmm. Moi, je pense que cette chute de la société, il faudrait considérer deux facteurs pour ne pas bien saisir. D'abord, la globalisation, la mondialisation, qui en lui-même est une bonne chose, mais en conséquence, nous constatons qu'à l'échelle planétaire, que les différentes sociétés sont en train d'évoluer, en tout cas. Parce que Emil Durkheim pas permettre que nous dit forcément qu'il y a débravé. Ok. Maintenant, gagner de nouvelles valeurs qui prennent naissance. Gagner donc des valeurs qui ont chuté. En Haïti, moun qui était. Est-ce que c'est évoluer, nous évoluer ou bien dévaluer de bonnes choses? Disons que. Des choses un peu atypiques dans mes propos, mais on peut tout simplement considérer que d'abord que la société évolue. Maintenant, est-ce que c'est dans un mauvais sens? Voilà, est-ce que c'est une évolution dans le bon ou dans le mauvais sens? Mais je veux dire, par rapport à la délinquance juvénile, la société évolue dans le mauvais sens. Parce que ce que les auditeurs et auditrices, nos chers internautes, téléspectateurs, ce que vous devez comprendre, c'est que les jeunes. Ou gain ont
c'est comme un feu, les feux de signalisation. Ou on temps pour réagir et après, tu ne pourras plus. Et nous gardons encore Emmanuel Kant qui écrit un pile sous l'enfance, l'éducation à l'enfance, en fait. Et il croit en effet que période pour nous agir sous type de monde que nous voulons pour la société, il prend un pile. Il est fragile en pile, justement, c'est l'enfance. Maintenant, cette société dont vous parlez, à partir de quel moment la société a planifié tête li? Pour dire, par exemple, qui type de monde que me voulez? Ça, c'est important. La société doit se dire quel type de citoyen veut-elle avoir. Selon le type de citoyen que le gagne, a un mode de préparation. Maintenant, comment on a fait qu'on est qui type de monde que la société a dit que le veut? De deux façons. La première, c'est une façon, on dirait, formelle, dans les écrits, la Constitution, par exemple, qui a décrit un profil de citoyen à travers les lois, les institutions. En fait, c'est à travers les politiques publiques. Que n'a clair sur qui monde que société a voulu gagner. Mais l'autre façon de faire ça tout, c'est tacitement. C'est-à-dire, lorsque société a parlé, ou bien société a parlé en parole, et puis il a fait une autre parole. Mm-hmm. Donc, de toute façon, c'est ça qui est tacite, là. C'est ça qui n'est pas exprès là, pour nous garder. Mm-hmm. À savoir, qui sa société a encouragé. Mm-hmm. Parce que nous avons besoin de sa société a voulu. Ok, société avec un paquet de bagages dans le livre. Ou du moins, c'est avec pour société. Mais maintenant, société a lui-même, il y a une façon de parler pour l'exprimer. Et nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux. Ça porte son nom. Réseaux sociaux, social, société, qui sont un miroir fidèle des sociétés de nos jours. Alors, qu'est-ce que notre société encourage comme citoyen, enfin, comme personne? Nous sommes pour l'instant au niveau des examens officiels. Vous allez me permettre de prendre ça en exemple. Dans le département, il y a des lauréats. On est d'accord? Mm-hmm. Qui comporte une société par rapport à Mounsao? Oui, qui sa société a voulu? Ok. Est-ce que vraiment vous songez, non, moun, journaliste chez vous, que vous êtes, quitter lauréat pour le département l'Ouest là, l'année dernière, voir pour d'accord qui sa société a fait de lui? Combien côté honoré? Qui prise en charge qui fait pour l'entrée dans l'université? Nous avons une culture, ça. Comment donc nous cas protéger valeur ça pour ne pas tomber dans le délinquant juvénile, débat que nous l'avons aujourd'hui à la. J'essaie de résumer pour dire que la société doit se planifier en se demandant quel type, en se fixant, en se disant quel type de citoyen que l'on veut, mais il faut que la société n'ait pas dit on bagarre en bon et à fond, on l'autre bagarre en l'autre bon. Comment la société a réagi par rapport à moun qui, par exemple, a pris des initiatives. Si ou dit, comme nous avons plus de 4,5 millions de moun là, qui a utilisé en Haïti, téléphone intelligent, 97% d'entre eux a utilisé WhatsApp, et pour dire, écoutez, ou on parle, on a fait deux groupes WhatsApp pour moun entrer. Yon nan yo, par exemple, ou t'a relé le discussion pour l'avenir. Côté, on va garder quelques thématiques avec des jeunes pour nous poser des problèmes sociaux et proposer des éléments de solution. Ça, c'est un premier. Et pour faire l'autre groupe, pour aller le chawapété. On gagne plus pour le chawapété. C'est clair, il a plein vite. Oui. Donc, que veut la société d'aujourd'hui? Et c'est pourquoi, si vous parlez d'évolution dans le mauvais sens, c'est vous qui le dites, c'est pas moi d'ailleurs.
Je dis tout simplement qu'il y a de l'évolution. Il est clair qu'il y a de l'évolution parce que les gens d'avant nous, de la génération passée, moun, qui je dis à la gain par exemple 62, jusqu'à 70 ans, le pas la veille, ils ont dû pas reconnaître société ça. Donc, c'est bien pour cette société qu'elle s'évolue. Maintenant, dans quel sens? Le sens est fonction de ce que la société a planifié. Parce que pour qu'ils soient estimés que je suis perdu, parce que tu penses que je t'ai fait Pétionville, ou je m'a fait Delma Pito. C'est parce que où tu penses que je fait Pétionville, et selon où je évolué dans le mauvais sens. Mais si je me suis dit c'est Delma, c'est Koto Mbrali, même s'il paraît mauvais pour vous, ça m'a bien passé. Donc, qu'est-ce que la société se dit aujourd'hui? Est-ce que la société reconnaît qu'elle est malade? Et c'est là le plus grand problème. Est-ce que tout nous avons une société qui est à la fois majociste et sadique en même temps? Donc, qui prend plaisir dans la souffrance de l'autre monde? Aussi, qui prend plaisir dans la souffrance pâle? Parce qu'il y a des démarches qu'on n'a pas trop prendre là. C'est assez pathologique pour une société comme la nôtre. On dit que même si ça t'a prêt à le faire à beaucoup moins, si c'est bon pour tout, et que parce que c'est pour moi seulement pour le bon. Quitte à ce que donc ça fait mal, pas de problème. Depuis le parfois bien. Donc, est-ce que c'est pas en forme de sadomasochisme que société ça a exprimé et donc elle se réjouit de la douleur? Est-ce que si nous essayons de, entre guillemets, guérir la société, si nous essayons de lui proposer des thérapies, est-ce que société n'est pas réfractaire par rapport à nous? En ce sens que l'abjoui est qu'on vient camper sous fil et nez. Qui compte pas société à Jodia leur proposer une solution? Parce que un malade qui parce que c'est pas tout le monde qui est à l'hôpital qui est malade. C'est-à-dire qui veut sortir de l'hôpital là. Il y a des pathologies, il y a sur le plan psychopathologique des traits, des caractéristiques, des phénomènes qui passent dans le niveau psychique, être humain, qui ben nous des mounes, je répète, qui sont à l'aise seulement dans la souffrance, seulement dans la douleur, seulement dans l'agonie. Et si la personne veut s'en sortir, la prend ça au dilio. La cherche médecin. Route que société apprend là, elle cherche quoi en réalité? L'Europe parle de proposer solution pour société. Il y a combien de monde qui est d'accord avec tant d'eau? Parce que société, nous en fiction, mais elle est représentée par nous. Par nous tous. Qui comment société a yé par rapport à monde qui vient parler de bagailles qui peut changer? Est-ce qu'au contraire, c'est pas des bagailles qui a plongé dans sa lié à que le plus intéressé à eux. Si vous annoncez une conférence où vous allez discuter des thématiques en faveur de la jeunesse et que parallèlement un DJ a joué. Ah oui, DJ a plein monde. Donc, il faut on va se comparer, on va il faut donc se dire que cette société se réjouit dans sa propre souffrance parce que ce soit clair, la société souffre. La délinquance juvénile dont il est question aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de prises en charge qui n'est pas fait au départ, que si on s'était gagné dans 10 nommés, ça n'a pas gagné l'heure ou pas fait, et nous avons vu les conséquences véritablement, et puis nous avons souffert. Nous disons que nous avons souffert, parce que c'est vrai que nous avons souffert. Lorsque nous pas qu'à, tu t'imagines que nous avons un territoire composé de 10 départements. C'est vrai, nous n'avons jamais fait tourisme local, pas de problème. Mais le ou besoin de déplacer parce qu'on a besoin de tout bon vrai. Ou pas capable, là, vous souffrez. Parce que le tourisme local, côté un vifère, c'est un droit. On est d'accord. Mais pas très exactement un droit de première génération. C'est-à-dire, OK. Mais que tu ne puisses pas te déplacer, ça c'est autre chose. Non, mais la liberté, c'est un droit subjectif. C'est une autre chose qu'on ne peut pas déplacer. C'est une autre chose que
ou gen trois ti moun pendant on traverser on carrefour en l'autre bien qui pour cartouche nous maintenant était deux. Donc la société souffre, on est d'accord là-dessus. Mais cette même société se réjouit de quoi? Elle se réjouit, elle a une forme, peut-être que c'est une forme de résistance à la souffrance en attendant sa délivrance. Peut-être aussi que c'est juste une forme de jouissance dans la souffrance. Donc, on pense qu'il faut apprendre cette société à vivre avec autre chose. Peut-on réjouir de la souffrance? Si la souffrance est jouissive, oui. Okay. Donc, est-ce que cette société se dit, halte-là, je n'en peux plus? Parce que c'est vrai que la société souffre, mais elle ne dit pas que je n'en peux plus, non? Il faut qu'on dise ça, non? Non, puisque par conscient, tu vas j'aime qu'elle dise ça. Ok. Ou peut-être que il n'a pas envie qu'on s'y entre. Si tu te sens bien. Ok? Maintenant, comme on parle d'organisation sociale, il y a des gens qui ne doivent pas sentir bien dans le corps, dans la chair, même dans l'esprit, et qu'on y a qui n'a pas une voix assez. Ce n'est pas eux qui nous parlent. Parce que la société s'exprime à travers justement les réseaux sociaux, à travers la presse. Aujourd'hui, vous avez fait un choix important. Vous parlez de ce qui ne va pas dans cette société. Vous parlez de ce phénomène crucial, de cette épée de Damoclès qui soutient nous toutes. La délinquance juvénile qui est en parfaite progression. Et si vous permettez, nous considérons la population de jeunes guinéens. C'est trois côtés liés. Trois côtés liés. Ou une infime partie de jeunes qui n'ont causé l'école. Université. Très infime. Et ils ont même tout subi le phénomène du décrochage scolaire systématiquement. Donc ça veut dire qu'ils ont quitté la catégorie ça. Ou bien ils ont trois lotes. Ou bien ils ont deux lotes. Ou bien l'autre catégorie de jeunes qui sont dans la rue. Ils ont même dans la rue. Et il faut comprendre que la rue Jodia. L'homme dit la rue, auditeur, téléspectateur, il y a la rue, il y a la journée. Mais non. Et l'homme dit on a le fait tweet. On a fait tweet toute l'heure. Nous avons, c'est bizarre, nous avons une société qui n'a pas fonctionné la nuit sur le plan économique, mais qui est très active la nuit sur le plan social. Donc, l'homme dit. Nous avons une bonne partie de la jeunesse là, qui est dans la rue. Nous avons parlé de ce le matin. Qui a suivi la machine. Qui a vu retourner dans la rue. Qui a cherché la vie. Mais qu'en est-il de 5h privé 7h? So, c'est fini pour partir ça. Mais à partir de 8-9h, où avons l'autre catégorie de jeunes qui est dans la route. Qui fait même bagarre, première catégorie, qui a essayé de survivre. Okay. Et même avec l'insécurité, même époque corona, on a dit ah, là on parlait de prostituées ou quoi? Ah ben justement, même avec corona, on a dit jeune pas, on a dit club pas ouvert. Même bon, tu as un couvre-feu. C'est dit pour monde pas dans la rue la nuit du tout. Mais il côté pas de monde qui chaque monde capte là, qui a gardé ça dans le département paro, ici dans le département de l'Ouest, tout le monde connaît qui boba yoyé. Qui boit une pile moun, et moun sa aussi jeune. Donc, nous avons une bonne partie de la jeunesse qui est dans la rue. Et puis, vous savez, aussi, on voit une catégorie de jeunes qui sont en prison. Qui font également partie de la population. Bon, spécifiquement la population carcérale. Donc, quand nous avons des jeunes ainsi repartis, pas oublier que l'État, par rapport à la statistique, pas de droit faillir. À savoir, travail l'État, c'est pour nous le plus de jeunes possible qui, dans la vie publique active ou privée, mais de toute façon, qui fait partie de ça, ou les populations actives dans l'économie, c'est-à-dire qui a droit au travail,
Ou si yo pa travay, y a préparé tête yo pour yo à travailler pour qui ça? Travaille bien sûr pour yo, mais travaille pour société à tout. Parce que la société qui évolue doit pouvoir être adaptée à un ensemble de dispositions que l'État prend pour lui. Et ces dispositions, elles sont prises par des gens qui ont réfléchi pour la société. Parce que c'est ça la fonction de l'État, oui. C'est d'améliorer le mode de vie de la société. En commençant par exemple par établir la sécurité de ses membres. Et donc, cette société est dans une démarche de produire. C'est quand la société a pour manger ça lui-même encore la produit. Maintenant, si vous n'avez pas des jeunes qui sont impliqués dans les affaires de la société et qui au contraire plongent dans la délinquance juvénile, eh bien, si vous êtes plongé dans les affaires de la société, qu'est-ce que vous auriez? Ou t'as gagné une société qui est en parfait accord avec le phénomène qui a traversé et loi qui établit pour ça, une société qui est sur route de développement durable, une société côté tout le monde impliqué dans arrangement différents problèmes depuis le niveau et collectivité territoriale. C'est ce que t'as gagné. Mais par rapport, en absence de ça, à défaut de ça, qu'est-ce que vous avez? Vous avez de préférence une société où les jeunes ne s'intéressent plus à construire des choses, à construire des choses, à construire l'avenir, mais plutôt se livrent à la débauche. Et donc, vous avez la délinquance juvénile, qui est, comme je le répète, une manifestation systématique caractérisé à la fois par une sorte de refus d'obéissance aux règles, mais aujourd'hui, surtout par une certaine volonté, velléité manifeste de prendre du plaisir à tout prix et à tout moment. C'est que longtemps, ou pas de gain droit à téléphone, à télévision, que dans le week-end. Parce que ok, mais qu'on y a, le plaisir n'a pas de jour. Le week-end aujourd'hui est un week-end de 4 jours. Depuis comment c'est dans le jour jeudi. Et qu'est-ce qui va se passer un peu plus tard pour mercredi? Donc, il faut prendre la question, je dirais, dans sa profondeur, pour comprendre que cette société qui ne se dit pas encore que j'en ai assez, pourquoi? Est-ce qu'elle se sent bien dans ce qu'elle vit? Est-ce qu'elle se sent bien dans sa souffrance? On a pris un petit coup de pause et on a tourné tout à l'heure. Merci. Ou remet santé ou? Ou pas vle prendre un faux médicament qui expire? Mache vite, vin joindre nous dans Faustin Premier Pharma. Ou c'est un sportif qui besoin bon protéines et supplément qui gagne nom pour arrêter jam? Presse, vin joindre nous dans Faustin Premier Pharma. Et si ou c'est un parent qui t'a remet bébé ou l'arrêter en bonne santé? Pas casser tête, viens acheter produit pour bébé ou dans Faustin Premier Pharma. Ou avez une lettre pour petit bébé tout l'âge, diaper, waps et latrier. Ou c'est une demoiselle qui veut toujours belle, dans Faustin Premier Pharma, ou avez un bon produit à bon prix. Espace noir bien aéré, produit nous bien conservé dans bonnes conditions d'hygiène. Ou intelligent, pas vrai? Fait bon choix, acheter médicaments, produits pour bébé, produits cosmétiques ou dans Faustin Premier Pharma, Kishita Col, dans 37 rue Faustin Premier Delma 41. Pour ordonnance, conseil santé et l'autre information, relais-nous dans 34 39 94 92 au soit 43 23 66 32. Faustin Premier Pharma, servi aux ses priorités. Amis téléspectateurs, nous retournons avec Maître Daniel Jean. Côté que nous avons abordé un sujet qui est extrêmement important, qui c'est délinquance juvénile, réinsertion sociale en Haïti. Côté que Maître Jean t'a élaboré, il t'a parlé nous qui ça qui cause délinquance juvénile, là, qui situation qui cause ça en Haïti et puis qui conséquence ça gagne tout. Maître Jean, qu'on a nous va parler de incarcération jeune en Haïti. Pour expliquer moun yo ki sa ki incarcération, parce que me senti le map di incarcération, ba ko en pile moun comprend thème ça. Bon, c'est des moun ki fermé dans prison. C'est des moun ki fermé dans prison. En fait, la société essaie de se donner des moyens pour se protéger contre ce qui est mal ou tout simplement contre ce qui peut
la nuit. Hein. Parce qu'il y a des choses qui font mal, mais qui ne nuisent pas à la société. Okay? Et c'est pour cela que les peines sont dimensionnées. Okay? Mm-hmm. Et hiérarchisées même. Mais maintenant, selon ce que tu fais, il était un temps où, à travers la vengeance privée, et même la vengeance privée démesurée au départ, que société a été résoudre de problèmes liés, je dirais, d'une manière, c'est pour cela que la vengeance privée a été considérée comme démesurée, d'une manière démesurée. Donc, ou faire un bagage, on débarque la caillou, on régler ça avec ni vous ni tout le reste de la famille. Et puis nous venons gagner en prise en charge de l'État en matière de justice. Donc, du coup, vous ne vous rendez plus justice, l'État rend justice pour vous. Maintenant, la société se dit également qu'il y a un ensemble de fautes lorsque vous les commettez, et les sanctions, et que ces sanctions, j'aime bien dire tout à l'heure, sont dimensionnées. Et une dimension, c'est fait mon côté. On parle de mettre la personne hors d'état de nuire. Bon, de nuire à elle-même et de nuire à la société. Maintenant, voilà, incarcération, c'est fermé mon côté. Fermé mon côté. Maintenant, l'objectif est double. En ce sens que, premièrement, la société se protège contre cette personne qui s'arrouge, qui s'amuse même et à faire du mal aux autres. Société a, parce que l'homme est hors d'état de nuire, la société dit tête-li, ok, il sécurise tête-li. Mais il y a une autre démarche, il y a un autre objectif visé. C'est la réhabilitation, on va dire de préférence. La réinsertion. La réinsertion, c'est la démarche. Mais l'objectif, l'objectif, c'est le salut de ce membre. Le salut de ce membre qui doit être racheté. La société ne se dit pas que, écoutez, n'a pas mettre en côté pour pas nuire nous, mais n'a pas mettre en côté, bien sûr, pour pas nuire nous et pour pas nuire tout, mais tout pour réfléchir, rééduquer tout, pour le retourner parmi nous. Ou quand nous n'avons plus bon monde. C'est ça, Pita, qui prend le bon réinsertion sociale là. Mais nous devons plus bon monde tout. Donc, l'objectif des châtiments, c'est donc, d'une part, de dissuader les autres. C'est pourquoi il y a certains procès qui peuvent être publics. Dans le temps, on savait exécuter des personnes sur des places publiques pour dissuader les autres. Donc, la société a protégé tête libre. Mais tout, la société a châtié l'IFEL pour qu'elle sauver le membre fautif, pour qu'elle continue à vivre et vivre utile société. Et c'est dans le point de non-retour que quelques sociétés rendent compte qu'elles ont arrivé. Qui fait on dit écoutez, on n'a plus besoin de ce membre parmi nous, nous retirer totalement de société, passivement seulement. Parce que la société a également une manière très drastique de sanctionner lorsque vous êtes condamné à perpétuité. Hmm? La société vous tue. C'est ce que nous autres en droit, nous appelons la mort civile. Et par exemple, l'une des causes, le divorce, l'une des raisons que vous pouvez avancer pour vous divorcer de votre partenaire, c'est si le partenaire est condamné à perpétuité. Parce que cette femme, cet homme, ce partenaire ne vivra plus. Il est mort socialement. Et certaines sociétés vont plus loin jusqu'à appliquer la mort physique. Ce que nous appelons la peine de mort que nous n'avons pas en Haïti, est-ce une bonne décision de ne pas l'avoir dans les conditions actuelles? En tout cas,
ça qui est clair, c'est que la société a baillé tête de façon pour à la fois protéger, mais tout pour faciliter, pour aider les gens qui en foutent là, qui rachètent pour sauver les gens et pour les gens qui viennent utiliser devant. Donc, il ne faut pas voir en la prison une démarche de châtiment seulement, il faut également voir une démarche utilitaire, une démarche d'amour et de considération que la société a pour chacun de ses membres et que le métier est en côté pour rééduquer et après pour réintégrer la société. Est-ce que réinsertion sociale là, c'est seulement logique ou une réalité en Haïti? Je crois que la réinsertion sociale est une réalité en Haïti. Maintenant, cette réalité s'oriente dans quel sens? Ça, c'est une autre question. Parce que le jeune pris en charge par l'État haïtien, comme nous parlons de l'école juvénile, à partir du moment que le jeune est reconnu fautif, coupable, d'un acte que la société a préalablement déjà et sanctionné à travers ses lois, nous ne savons que l'État a pris en charge, l'État a une responsabilité envers elle, à savoir, et c'est ça l'objectif premier de l'État, à savoir que Moussa, l'homme tout n'a vu dans la société, il n'est pas pour commettre même action. Ou encore, il n'est pas venu plus mal. Maintenant, il y a la prison. Donc, le temps que la personne passe, c'est pour cela, quand le juge prononce son verdict, une préoccupation que le juge doit avoir, c'est quel temps faudra-t-il pour que cette personne soit consciente que de son mal et devienne meilleure. C'est pour ça que ce que soit fait, c'était à dire, écoutez, sous balle 3 jours, il a réfléchi sur ça. Sous balle 2 ans, il a réfléchi sur ça. Et là, c'est crime, donc là, sous balle un peu plus, 5, 6, 7 ans, il a réfléchi sur ça. Donc, le juge espère, en t'envoyant en prison, que tu reviendras parmi nous meilleur que tu es maintenant. Donc, la réinsertion sociale, théoriquement, est une démarche qui consiste pour la société d'accompagner une personne qui a été incarcérée, d'accord, pour son intégration ou sa réintégration effective dans la société. Ce qui veut dire en clair que chacun qui a sorti de prison, nous sommes supposés. Société a été supposée à l'accueillir et puis bravo. Oui, mais. Parce c'est... que, enfin, il a compris. Enfin, il est devenu meilleur. Enfin, il a pris un exemple. Parce qu'on lui a privé de sa liberté. Cas? Est-ce le cas, maître? On lui a privé de sa liberté. Et puis, il a compris. Finalement. Non, est-ce que si Mounan était fait sortir de la prison, j'en dis à la. Et que mon dédou est battu bravo pour lui. Est-ce que le d'apprécié? Ok. Bon. Donc, c'est-à-dire, nous sommes supposés oui, parce qu'il n'était plus. Il était absent parmi nous pendant un petit moment. Il a manqué à la société. Oui. Mais il est de retour. Et de retour pour le meilleur. Pour le meilleur, est-ce le cas? Parce que logique, incarcération, c'est ça lié. Logique fait mes mounes mettre au côté. Bon, il y a qui prend prison n'est pas 10 fois dans le. Et maintenant. Et maintenant, votre question a été la réinsertion sociale en Haïti est une réalité ou c'est est-ce que c'est en théorie ou bien en réalité? Réalité. On dit que réponse moyen pour auditeur et mon cap garder nous puis cap bien saisi, c'est que réponse moyen c'est que quand le coupable mon yo réintégré, mon yo retourner dans la société. Maintenant, si l'État lagué mounio depuis la prison là bah la pas grave ça ne fait mounio courir là bah la compliqué et maintenant si l'État tout lagué mounio le sorti de prison bah la grave pire parce que c'est toute une démarche tu accompagnes la personne jusqu'à ce que donc le monde sorti de prison l'État est supposé prévoir comment nous avons réintégré progressivement la société. Vous comprenez?
Il faut voir aujourd'hui ce que nous avons comme système carcéral. Qui ça nous éducation en prison, comment ça fait? Ok? Éducation en prison, comment ça fait? Donc, oui, les jeunes sont réintégrés. Maintenant, est-ce que c'est pour le meilleur ou pour le pire? C'est peut-être là une autre question intéressante. Est-ce que, qui condition vous pensez que l'État ici particulièrement mettait, qui structure mettait pour vos réinsertions sociales? Il y a toute une démarche qui concerne plusieurs ministères au niveau de l'État. Il faut voir les politiques publiques du gouvernement, dans quel sens qu'elles sont orientées. Donc, ministère, on va dire que presque tout ministère est concerné par cette question de réinsertion sociale. Parce que il faut prévoir des fonds. Ok, là, dis-nous qui ministère qui est concerné. Il faut bien sûr prévoir éducation, parce que c'est rééducation. Ok, donc nous avons éducation. Il faut nous mettre que ce sont des jeunes, il y a des ministères qui occupent des jeunes dans le pays. Et qui ça qu'on y en a ben moun nan pour même cause ou pas produire même effet? Parce que s'il est établi que le passage à l'acte a eu pour cause la pauvreté, a eu pour cause le manque de moyens, qui ça au moun qui saute dans prison aujourd'hui à la? Parce que écoutez, le temps que moun nan te fait dans prison, le perd du travail, il perd du ensemble de bagages. Quand la personne revient dans la société, il doit continuer à vivre. Qui ça nous mette là comme mécanisme pour progressivement le petit business, il gagne pas avec marché? En termes de commerce, en termes de... Donc, votre question, quelles structures qui sont mises? Nous n'avons qu'à répondre plutôt en vous disant des structures qui devraient être mises en place. C'est tout ça que nous sommes dit là. C'est tout un package pour recevoir les gens qui viennent de la prison et pour nous assurer qu'ils ne deviennent pas de pires personnes. Auquel cas, l'incarcération aura réussi seulement à protéger la société, et même là encore, c'est provisoirement. Elle aura échoué dans sa mission secondaire qui consiste à faire du détenu une meilleure personne. On dit qu'il y a plusieurs ministères qui occupent de ça. Quand c'était quelques ministères. Disons qu'ils sont concernés par ça. Qui concernait, mais qui concernait, mais qui va occuper de ça vraiment. Ça, c'est peut-être un autre constat, mais je vous dis que la réinsertion sociale est une urgente nécessité pour Haïti, parce que les gens, notre population carcérale est élevée, parce que les crimes et délits sont nombreux, et il faut que nous. Car fermer Mounio pour protéger la société, d'accord. Il faut également que nous préparions Mounio dans la prison pour qu'il y ait une meilleure là. Et il faut qu'on y a le absouti en troisième lieu, nous qu'à accueillir. Nous qu'à accueillir, parce que cette personne qui était professeur et qui t'a vivre et qui commet une faute et que nous châtier et que souti qu'on y a, qui parle de rien capitaine du tout, qui s'appelle Ligné. Est-ce que l'incarcération ne change pas totalement la personne et même son statut? Est-ce qu'on va tout un bandit, par exemple? Donc, c'est sur cette question cruciale que la société devrait s'interroger en toute urgence, objectivité et scientificité, je pense. Bon, même pas tellement, mais... statut même sur cas d'Haïti, non, parce que moi Haïti même pas grand qui a fonctionné là dedans, ça fait pas le statut même sur lui. Ou attirer attention, me l'ont dit que jeune qui sorti dans prison, il t'a supposé réintégrer. Me dit il t'a supposé, m'a dit réintégrer même là non. Me dit il t'a supposé réintégrer société. Mais ou même tout seulement exemple, un monde qui sorti dans prison qui va gagner un amel, ok? Et puis, on a parlé de réinsertion sociale. Comment on va le faire? Qu'on y a pour survivre? Pour répondre à besoin. C'est peut-être une des causes du passage à l'acte criminel. Et c'est ça toute la beauté
de la criminologie par rapport aux sciences pénales, par rapport au droit pénal. Parce que le droit pénal s'intéresse sur le fait, la criminologie s'intéresse sur le pourquoi de ce fait. Donc, nous autres, il y a l'acte criminel, il y a également le passage à l'acte criminel. Ce qui nous intéresse, c'est le passage à l'acte criminel. Et votre question nous pousse à considérer un peu la criminogénèse pour voir les facteurs à la base du passage à l'acte criminel. Et on a eu, effectivement, c'est le manque. C'est des nécessités qui ne peuvent pas être comblées et on a fait ça par ça pour répondre à la nécessité. Parce qu'il faut comprendre que on doit de toute façon répondre à la nécessité. Et c'est pour cela que vous avez l'État haïtien qui est censé, enfin pas l'État haïtien, l'État tout court, qui est censé mettre en place un ensemble de mécanismes, pas pour bon manger seulement, mais surtout pour faciliter à le chercher manger. Donc, s'il n'y a pas de conditions qui sont réunies pour recevoir les gens qui sont en prison, réinsertion sociale qu'on a là, qu'on va parler de l'IA là, l'après ton rêve, l'après ton utopie, je ne sais pas, mais d'autre part, la fête quand même, mais dans le mauvais sens. On a gagné quantité de bandits, X côté gagnant, qui a exponentiellement augmenté. Parce que nous disons nous fermer mon yo, et même si nous avons bien fait travail là-dedans, reste à savoir comment nous faisons travail là-dedans, prison. Ok? Dans quelles conditions que nous avons? Comment nous préparer l'esprit mon yo pour sa capitaine au dehors? Et nous-mêmes, comment nous préparer pour nous recevoir au dehors? Donc, l'on maintenant bénéficie d'un ordre de liberté, ou tout simplement fin purger peine li, qui rapport encore avec l'État? Qui rapport avec moun qui occupe de l'affaire sociale pays a? C'est-à-dire côté mette moun nan prison, li sorti et ou doute mette le pour te protéger tête ou comme société et pour te kali même après à vie non pi bon moun. Maintenant que le sorti ou pas de l'an, ou pas baloken encadrement, accompagnement pour le kavin pi bon. Donc la réinsertion sociale aujourd'hui, s'il n'y a pas une politique véritable, une politique efficace qui en tient compte, ou avoir un paquet de monde qui a libéré quotidiennement, qui était dans le pays, personne ne va demander comment il vivre, et faut vivre, et c'est constater que le crime a augmenté. Donc nous trouvons que c'est urgent. Mais en sérieux, maître, bon, nous avons une population qui est très jeune. Alors que moun ki dehors yo, moun ki nou rele l'équilibre, pou pa même ka survivre. Pou nan lò pran pati sa ki ki te incarcéré yo et puis pou nan vin retrouvé liberté yo, vin sorti. Comment on va faire gérer population ça? La société, c'est des membres de la société, c'est pas parce qu'ils ont été fautifs à un moment qui fait que ou pas fait partie de la société encore. Au contraire, c'est en principe un monde qui châtie déjà, c'est un monde qui est capable de faire plus confiance qu'un monde qui ne peut pas châtier du tout. Ça va aller bon, mais... Parce que Mounsa, il connaît le poids de ses actes. Et il a purgé des peines et il en est sorti renforcé. C'est dans le cas, le monde est conscient. C'est en fait ça c'est ça le t'a supposé. Oui. Mais lorsque vous avez des cas à la fois d'aggrave côté par la vie plus grave et que vous récidivez, c'est une preuve que réinsertion sociale là n'a pas parfaite, pas prise en charge vraiment de lui. Donc la société doit à tout prix se donner des moyens pour se protéger par rapport au mal, parce que ces moyens vont de l'emprisonnement, par exemple, jusqu'à la réinsertion. Donc, faut, depuis le fin condamné sans tension, nous disons là pour 4 ans, la société n'a pas fini envers Mounsa. D'ailleurs, il faut que nous toujours manger boire dans la prison. Il faut que nous éduquer dans la prison. Il faut avoir accès à livre. Faut le cas refait tête libre pour le cas repentir, faut le gain accès à un ensemble de bagages. Et le lapsoti,
faut que l'adapte ni pour dire bon retour dans la société. Bon, comme on se dit là, elles sont utopies, ça, elles sont rêves. Mais donc, c'est un idéal pour lequel il faut se battre. Nous ne comprenons pas ça. Oui. Qui perspective, ouais, nous te ka mettre en place ou bien qui sont visés comme qui sont capables tout comme recommandation. Nous croyons que premièrement, ces questions doivent être débattues dans des espaces, dans tous les espaces de la société. Et surtout les universitaires, ils ont déjà pris ça comme sujet de mémoire et puis pour d'ailleurs cette intervention que je fais là maintenant va être diffusée par beaucoup d'universités qui ont servi avec lui. Nous croyons que il faut que nous parlions question ça parce que nous songer qu'une prison en Haïti chaque fois en prison casée. Or, il y a des gens dont nous devons nous occuper dans les prisons. C'est nous qui fermons, qui baillent nos systèmes. Ça, il n'y a pas toujours eu ce système. C'est à travers le temps que la société se donne ce nouveau moyen de combattre le mal, de châtier et de reprendre ses membres. Maintenant, nous pensons que mon niveau Jean justice l'a distribué. Il faut nous garder ça là. Parce que si le jeune est incarcéré à tort, n'attendez pas qu'il devienne meilleur après son incarcération. Il faut nous garder comment justice l'a bail. Si le jeune est enfermé tout simplement à tort, c'est-à-dire pas même condamné de ce niveau justice. Donc, il faut voir ça. Il faut deuxièmement voir les personnes qui sont condamnées à juste titre, qui accompagnent que nous avons une bonne prison. Et au final, le absouti, comment n'a pas accueilli. Maintenant, prévenir vaut mieux que guérir. Nous pensons aussi que la délinquance juvénile doit être un sujet et d'actualité. La théorie du vide éducatif de Maurice Cusson, qui explique que les parents sont pour beaucoup dans ce que deviennent les jeunes. Nous pensons que c'est des choses qu'il faudrait voir. Je pense même à une assise, un sommet, un gros colloque sur la réinsertion sociale, en initiative de l'État, pour voir comment l'État peut revoir cette question et prendre des mesures beaucoup plus efficaces dans la mesure du bon fonctionnement de ses moyens pour accompagner les jeunes en prison et les jeunes qui vont sortir de la prison, parce que si nous ne les accompagnons pas pour qu'ils deviennent meilleurs pour la société, ils deviendront pires pour la société. Voilà. Enfin, on va aller me donner mon bain en conseil pour Haïti. Un conseil pour Haïti, et c'est qu'Haïti est un grand peuple, il le restera encore, et qu'il faut garder espoir que le meilleur est à venir. Ah bon? C'est comme ça y est? En nous chitons là depuis plus de 200 ans, nous croyons que nous sommes un grand peuple, nous croyons que pour nous garder espoir, et puis on n'est pas jamais lui. Nous croyons qu'il faut une bataille pour ça tout. Pour date, nous connaissons pas ça, nous fier que nous te prenons des bonnes choses. Pour chaque fois, la République noire. Et puis, nous la même, et puis nous ne pouvons jamais faire après 200 ans de côté nous. Et puis, gardons encore l'espoir. Après 200 ans, qui est bon nous? Après 200 ans, qui est bon nous? Eh bien, nous avons évolué. Oh, dans un mauvais sens? Est-ce que l'objet est bon ou mauvais? Mais c'est un parcours. Comme tout peuple qui vivait a grandi et fait exploit, il a passé par des moments difficiles et Haïti pas exempt de ça. Oui, mais le pays autour du travail, il faut de ça de côté. Mais c'est que nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients de l'état nous voir pour notre travail. Pour tout c'est peut-être bien ça le rôle de cette presse à laquelle nous appartenons, vous et moi, de conscientiser pour que nous ne mettons pas en patte là, pour que ce meilleur qui est à venir puisse finalement venir. Moi, j'aime beaucoup parler de ça dans l'émission. Continuez.
Continuer, oui, et bien c'est ça m'a fait là, continuer. Oui. Mais est-ce que ça m'a prêché, hein, les tomber dans de bonnes terres? Quand il a tombé à pas poser préoccupation, c'est juste fait. C'est ça m'a fait là, c'est soit fait là. Ben voilà. Nous fait. Que donc chaque monde n'a niveau pas. Mais nous pas j'aime sentir que conscientisation, pas j'aime sentir conscientisation au niveau de la population, pas j'aime sentir. Disons que chacun en ce qui le concerne a fait ça au capable et puis comme ça on a vu nos résultats global. C'est ça mado la même oui parce que bas senti moun yo impliqué à fond pour Haïti, on dirait au gros l'autre pays de réserve, bas senti ça. Et bien c'est que chaque monde continue faire ça au rien plus au faire et puis que nous souhaitons également que les conditions se réunissent pour que chaque monde fasse ça au rien plus au faire. Pour Haïti, ce pays que nous aimons tous. Vous le pensez, maître? Nous aimons Haïti. Est-ce que nous pouvons le prouver? Est-ce que le nous prend bateau, n'aller, ça veut dire que nous n'aimons pas? Non. Ça veut dire que c'est compliqué et que nous obligés de prendre des dispositions. Mais on porte tous cette terre natale dans notre cœur. Demandez à votre diaspora qui nous suit là à travers internet. Une diaspora on va sentir trop bébé qui est tout dans affaire Haïti. Tu sentis ou bien tu connais moi même va sentir franchement. Oh, c'est ton plaisir parce que mettre là un peu conservateur. Il va m'exprimer la fond dans baio mais que mettre la mettre qu'on est au radio mais moi-même connais ces journalistes mais font pas la Julia mettre si me pas ressenti baga la forme dit que parce que Haïti c'est pays nous lié que l'on veut ou non terre là nous pas qu'à quitter disparaître. OK, faut que nous impliquer nous faut que nous conscientiser pour nous impliquer nous à fond pour nous travailler, pour nous sortir Haïti dans sa vie. Parce que c'est un devoir de tout citoyen. Prendre ça comme mission, on dit m'a fait partie pas maintenant, mais ça m'a fait pour Haïti, m'a fait, et puis pour nous sortir Haïti dans sa vie. Nous le pensons aussi, les jeunes qui nous regardent à ce moment-là, sachez que vous avez une société qui attend beaucoup de vous. Entre guillemets, mais qui ne fait pas grand chose pour vous. Et alors, il est de votre devoir de vous, comment dire, débrouiller pour sortir dans la société. Hein. Les parents, sachez que nous avons un intervalle bien précis côté que nous gardons ces témoignages. Si nous ne prenons pas la soumission aux règles, si nous ne transmettons pas les valeurs fondamentales, la fatale pour nous puis devant. Et aussi l'État haïtien, tout ça c'est de notre responsabilité de d'exercer une certaine pression sur les parents de lancer une véritable campagne contre la délinquance juvénile et de créer des conditions pour que jeunes ne se battent pas dans la rue. Et pour que ce n'est pas dans la prison hein, que vous avez l'impression, je ne fais tout piéger. La société le conduit droit en prison. Et que la société a compris dans ça. Ce comportement sado-majociste d'une société qui se réjouit dans la souffrance, dans sa propre souffrance, dans celle des autres. Il est temps de se dire écoutez, nous méritons mieux. Le peuple haïtien mérite une meilleure société et que chaque monde travaille d'un niveau pas au poulet. Et les jeunes qui sont en prison pour l'instant, faut penser à eux. Les conditions d'emprisonnement n'ont pas endurci les jeunes en plus. Parce que nous voyons là. Pour nous font tirer, écouter, pour nous balancer temps pour le réfléchir. Donc, il faut conditions réunies pour le réfléchir.
à savoir les droits fondamentaux qu'il gagne encore pendant la prison. Manger, boire, baigner, dormir, lever. C'est ce que la liberté nous prive de lui dans la prison. Et mal, comme si pour aller dans la toilette, il y a un droit à visite. C'est une personne à part entière que nous juste pas pour pendant un petit temps et que nous attendons avec deux bras ouverts que le tourner. Pour le vivre plus bon. Et nous avons demandé dans le temps que le tourner, la réinsertion sociale, que la société a été pris des moyens pour encadrer, orienter et accueillir les gens qui sont sortis dans la prison. Parce que nous n'avons pas nous-mêmes encore arrangé nous pour y aller dans la prison. Et puis, le retourné n'a arrangé une pirette pour retourner dans la prison. Merci. Ah oui. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. C'est ça la Bible dit. Ça veut dire c'est vous-même qui vous préparez tout le monde et puis faire chemin ensemble avec lui, montrer qui chemin il doit suivre. C'est pas tout le monde qui vous éduquer. L'elle commence grand, que bah les cabots conseils et choses. Mais dans période de puberté, on connaît tout le monde chaud bah choses. C'est pas un rôle supposé là accompagner tout le monde. D'accord? Pour éviter ça les délinquances juvéniles, ce qui était sujet que maître Daniel Jean t'a traité avec nous, qui c'est délinquance juvénile et insertion social. C'était avec nous, maître Daniel Jean. Je voudrais dire un mot pour les détenus. Bonne fête à chaque détenu. C'est leur mois. C'est pour le 18 juillet, la journée internationale de Nelson Mandela pour le droit des détenus. Bonne fête aux détenus. Ok, merci tout le monde. C'est un plaisir. Au revoir. On parle tout bagaille. C'est une émission socio-culturelle qui est diffusée sur Canal Bleu, chaîne 38. Tous les samedis, 5h de l'après-midi. N'a pas les toutes bagailles? Reprise lundi 8h du soir et mercredi 9h du soir. Rite branchée.